Bonjour à vous tous, bienvenue ici à ce nouveau cours sur donc le calcul d'air. Et en particulier, nous commençons par l'exercice numéro 6 que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on y voit dans cet exercice numéro 6? Il va donc trouver donc l'air de la figure A, pour commencer. Alors déjà, dans la figure A, on voit très facilement qu'on retrouve des carreaux en entier. Ici, il y en a un deuxième là, un troisième là. Et un quatrième là. Donc déjà, on sait que l'air de ce carré vert, ce sera au moins 4 unités d'air. Mais il y a encore le reste. Eh bien, on voit évidemment que ceci est un demi-carré qui, ajouté à ce demi-carré-là, va faire un carré entier. On pourrait également le retrouver en prenant ce petit triangle-là et en le déplaçant ici pour faire apparaître un carré. On a la même chose ici. En faisant déplacement, on obtient un carré. Ici aussi, en déplaçant, on obtient un carré. Et ici aussi, en faisant le déplacement, on obtient un carré. Donc finalement, on a 4 carrés réels et après 4 carrés qu'on a pu reformer ici, ici, ici et là. Ce qui fait un total de 8 carrés. On peut donc dire que l'aire de la figure A est 8. Alors 8 quoi? Eh bien, on dit qu'on prenait le carreau comme unité d'air. Bon, on va mettre 8 carreaux, tout simplement. On va prendre le carreau, 8 carreaux. D'accord? Allez, on passe à la B maintenant. La figure B, alors là, elle est un peu plus compliquée, ça ne ressemble à rien. Enfin, on trouve également des carrés entiers à l'intérieur, mais pas tant que ça. Il va donc falloir essayer de s'y retrouver. Alors, il faut penser que une aire, ça peut aussi se calculer comme quelque chose de plus grand, moins quelque chose qu'on a enlevé. Regardez, si cette figure ici, je la complétais, tout ça, je le coloriais en bleu. Eh bien, toute la partie, je m'intéresse pour l'instant qu'à la partie haute, hein, j'aurais ici un carreau, deux carreaux, trois carreaux et quatre carreaux. D'accord? Sauf que je n'ai pas quatre carreaux, parce que réellement, cette partie que j'ai coloriée en bleu, en réalité, elle n'est pas coloriée en bleu. Mais cette partie qui est coloriée en bleu, elle vaut combien? Eh bien, regardez, donc je vais un peu effacer à niveau pour qu'on puisse mieux voir les choses. Cette partie qui est donc que j'ai coloriée, mais qui n'était pas coloriée, elle vaut combien? Eh bien, finalement, on voit que cette partie-là, c'est un demi-carreau, et que celle-ci aussi est un demi-carreau. Donc finalement, AL2, elles valent un carreau. D'ailleurs, je pourrais encore faire pareil tout à l'heure. Déplacer cette partie blanche ici pour faire apparaître un carreau en entier. On voit donc que la partie haute, pour l'instant, je m'intéresse qu'à la partie haute, donc au-dessus de ça, eh bien, c'est les quatre carreaux que j'aurais si j'avais tout colorié, moins le carreau que j'enlève finalement en faisant ce creux en blanc. Donc ça fait trois carreaux. D'accord? Donc ça c'est une manière de faire. Attention, ce n'est pas la seule manière, hein. Je vais m'intéresser encore uniquement à la partie haute. Donc j'efface tous ces trucs-là. Voilà. Je m'intéresse encore uniquement à la partie haute. Donc ceci. Je peux aussi, à la place de dire, eh bien, je prends les quatre carreaux et j'enlève finalement un carreau. Je peux aussi tout simplement prendre ce carré bleu ici et le déplacer pour le faire apparaître là. Du coup, la figure, elle ressemblera plus à ça, elle ressemblera tout simplement à ceci. Tac, 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 tac. Elle ressemblera à ceci. Et donc, combien est-ce qu'elle vaut comme R? Elle vaut 3, tout simplement. D'accord? Donc, on voit, il y a plusieurs manières de faire les choses, hein. Soit je déplace des choses pour construire des carreaux, soit je fais une figure plus grande, dans laquelle j'enlève une partie. Dans la partie basse, ben ça va être pareil, hein. Regardez, on a encore plusieurs manières pour faire ce travail. Je peux également considérer, je vais m'intéresser à cette grande partie pour l'instant, la partie basse droite, d'accord? Partie que je viens d'encadrer en bleu. Bien, je vois qu'effectivement, c'est comme en haut, en fait, hein. C'est quatre carreaux, si j'avais tout colorié, auxquels je vais enlever cette partie-là. Et cette partie-là, elle vaut combien? Elle vaut un carreau. C'est exactement le même travail que tout à l'heure. Donc, ça veut dire que cette partie-là, elle fait encore trois carreaux.
Quant à la partie en bas à gauche, celle que je vais encadrer maintenant toujours en bleu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, là encore, je peux dire j'ai un carreau qui est là, et puis si je déplace ceci, ça me fait un deuxième carreau. Donc ça me fait deux carreaux. Première manière de faire, ou deuxième manière de faire, bien je me dis, regardez ça, c'est quoi ça? C'est un carré entier qui vaut toujours quatre carreaux, d'accord? Un grand carré qui vaut quatre carreaux, et j'en ai pris que la moitié. Donc forcément, ça va avoir comme R la moitié de 4, c'est-à-dire 2. Donc voyez, on a plein de manières différentes pour calculer les R des figures. Donc du coup, finalement, il me reste combien ici? L'R de la figure B, combien c'est? Ben non, j'ai dit que c'est 3, 3 et 2, donc ça fait donc 6, ça fait 8. Encore 8 carreaux, tiens. Les deux figures, la bleue et la verte, ont la même... la même R, tout simplement. Ah, la figure C est un peu plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'on voit que les traits ne suivent pas vraiment les carreaux. Néanmoins, c'est pareil, regardez. Cette partie jaune qui est là, que je vais encadrer ici en noir, d'accord, même que je vais colorier en noir, pour bien qu'on la voit. Cette partie jaune, d'accord? Si je la prends et que je la glisse là-dedans, qu'est-ce que ça va faire apparaître? Ça va faire apparaître un nouveau carré en entier. Je colorie en jaune d'ailleurs. Voilà. Donc là, finalement, en déplaçant cette petite encoche de la clé, eh bien, ça me fait apparaître ici un carreau en entier. Donc finalement, j'ai un carreau ici. C'est pour les deux encoches. Un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Bon, après, c'est plus compliqué parce que là, on voit qu'on a fait un creux, mais ce creux ne rentre pas dans les carreaux. Mais c'est pareil. S'il n'y avait pas le creux, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. D'accord? Mais il y a le creux. Il vaut combien ce carreau? Alors c'est vrai que le creux ne rentre pas, ne suit pas le quadrillage. Mais on voit bien que cette longueur-là, je vais la faire en orange pour que vous voyez les choses. Cette longueur-là, elle vaut combien? Ben, elle vaut 2 carreaux. Et cette longueur-là, elle vaut combien? Elle vaut 1 carreau. Ce qui veut dire que là-dedans, il y a combien de carreaux en réalité? Il y en a 2. Donc finalement, toute la partie haute ici, la partie haute de la clé, où j'avais dit qu'il y avait 6 carrés, 6 carreaux, si je ne la, si je, si, si elle n'était pas trouée, ben, j'ai fait des trous de combien? Je fais des trous de 6, de 2. Donc si j'en avais 6 au départ et que j'ai fait un trou de 2, combien est-ce qu'il en reste? Il en reste 4. Donc toute la partie haute de la clé, eh bien, elle a une R de 4. Plus donc tout ce qui était en bas, je ne sais plus combien c'était, donc j'étais à 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pour celle-là. On peut donc dire que l'aire de la figure C est 10 carreaux. D'accord? Figure D. Alors, figure D, ça va ressembler un peu à un petit morceau que j'avais dit déjà pour la figure B. Regardez la figure D. Je vais considérer que c'est la moitié d'un rectangle. Ce rectangle, il mesure combien en R? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben, puisque j'en prends que la moitié, eh bien forcément, ce sera 5. L'R de la figure D est 5 carreaux. On peut faire différemment, évidemment. Enfin, là c'est difficile de déplacer les choses. Enfin, ici, si on veut faire un déplacement, il faudrait prendre ce triangle-là et le placer ici dans le creux qui est là. D'accord? Il est moins évident parce qu'il ne suit pas les carreaux justement. Mais ça marche aussi, du coup on obtiendrait un rectangle avec seulement 1, 2, 3, 4, 5, 5 carreaux. Alors on retrouve évidemment les 5 carreaux ici. La figure E, ben la figure E, ben ce sera un peu comme la C. On va dire, qu'est-ce qui se passerait si tout était colorié? On aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreaux. Mais il faut enlever ce qu'il y a là-dedans. Alors, il y a quoi là-dedans, justement? Eh bien, ce qu'il y a là-dedans, c'est la moitié, je dirais, de ce carré. Alors, comment est-ce qu'on voit que c'est la moitié? Soit c'est évident pour tout le monde que c'est la moitié de ce carré, ou si ce n'est pas évident, parce que c'est vrai que ça peut ne pas être évident, dans ce cas, on va couper ce triangle en deux. Et on va dire que ce creux
ici, je le mets ici. J'obtiens quoi du coup comme figure? Ben, j'obtiens donc ma figure E en entier, comme ceci. D'accord? Avec donc mes carreaux. On va faire à peu près les choses correctement. Ça, c'est ma figure E, d'accord? Et donc, ça, c'était déjà. Ah non, ça, je veux pas. Ça, c'était déjà percé. Eh bien, puisque cette partie percée, cette partie blanche-là, se déplace ici, c'est-à-dire que cette partie-là, ici, maintenant que je suis en train de repasser en noir, va être percée également. Donc, qu'est-ce qui va rester colorié? Il va rester colorié ceci, 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 ceci et ceci. D'accord? Donc, il va rester combien de cases coloriées? Ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire les 12 qu'il y avait au départ, moins les 2 qui sont creusées. Mais qu'elles soient creusées ici en un rectangle ou qu'elles soient creusées ici en un triangle, évidemment, c'est pareil. D'accord? Donc on arrive donc à 12, à 10. L'aire de la figure E, c'est donc 10 carreaux. Ensuite, après le E, il y a le F, hein, évidemment. Alors comment est-ce qu'on va faire le F? Eh bien, on va faire pareil, tout simplement. On va séparer ça en deux parties. La partie haute qui est très simple, hein, 1, 2 et 3, 3 carreaux. La partie basse, elle est plus compliquée. Néanmoins, elle va se faire sans trop de difficultés. Regardez, qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais considérer ce grand rectangle-là. D'accord? Et faire la même chose. Dire tout simplement que je coupe en deux ici. Et cette partie-là, je peux très bien la faire rentrer ici. On obtient alors la partie haute qui, elle, n'a aucun problème. D'accord? Et en partie basse, on se retrouve avec ici, hop, 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 et hop. Avec ici, et comme ça. Alors, donc les trois carreaux de là sont coloriés. Et maintenant, il y a toute cette partie-là. Il y a ici, évidemment, un carreau en entier, ici, un carreau en entier. Mais ici et là, je n'ai pas des carreaux en entier. J'ai quoi? J'ai des demi-carreaux. Donc, évidemment, avec deux demi-carreaux, ça va me faire un carreau en entier. Ou alors, je prends celui-là et je le redéplace ici pour faire apparaître un carreau en entier, au choix. Enfin, on ne va pas non plus faire trop de déplacements quand c'est évident. D'accord? Alors, j'obtiens combien finalement? J'obtiens 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 6 carreaux. Donc, ça veut dire que l'aire de la figure F, eh bien, c'est 6 carreaux. Voilà donc pour la correction de ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui. On continue avec un nouvel exercice. Oui, celui qui est en dessous d'abord, voilà. Le petit 3 sera pour après. Donc c'est l'exercice 8. Figure de même aire. En prenant comme unité d'aire UA, d'accord? Là, on avait pris carreau. Là, on prend UA comme unité d'aire. UA, ça veut dire unité d'aire, d'accord? L'aire d'un carreau de ton cahier, d'accord? Réalise trois figures différentes de 12 unités d'aire. Donc vous allez tout simplement mettre en pause et tracer trois figures qui auront à chaque fois comme R 12 unités d'air. Et l'unité d'air étant le carreau, ça veut dire trois figures qui auront comme R 12 carreaux. Allez, mettez en pause et faites-le. Voilà. Alors donc là pour faire ça, pour la correction, je vais passer ici. C'est où que c'est déjà ça ici? Je ne sais plus où c'est. Mettre en forme l'arrière-plan, je crois. Oui, ça, je vais passer en carreau. Voilà, ça devrait marcher. Ah, peut-être un peu petit, celui-là. Est-ce que j'ai pas mieux? Est-ce que j'ai pas mieux? Non, j'ai pas mieux. Les gros carreaux, ça, est-ce que c'est mieux ça? Bon, regardez, hein. Voilà, les carreaux sont plus gros. Ce sera plus simple à voir. D'accord? J'ai mis un fond de carreaux sur la vidéo pour qu'on puisse voir les choses. Alors, vous deviez donc réaliser trois figures différentes de 12 unités d'air. C'est très simple, hein? Vous faisiez tout simplement une figure qui faisait 12 carreaux. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous obtenez donc cette figure-là. Voilà. Tout enlevé là. C'est-à-dire que j'ai appuyé sur un bouton
sur lequel je ne devais pas appuyer. Alors je refais. Ici, hop, voilà, il n'y a pas boulé. Hop, et voici ma figure qui a évidemment comme unité 12 unités d'air. D'accord? Je change de couleur pour faire une deuxième figure. Mais parce que je dois faire 12 unités d'air, donc 12 carreaux, je fais encore 12 carreaux par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, par exemple. Ça me fait cette figure-là. Voilà, cette figure-là. Elle a aussi 12 unités d'air. Bon, j'en fais une dernière, parce qu'il en fallait 3. Bah tiens, par exemple, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Celle-là aussi, elle a 12 unités d'air. Dans cette figure-là aussi, elle a 12 unités d'air. Vous voyez, donc j'ai le choix. Hein. J'en ai fait 3, mais il y en a évidemment des tas et des tas et des tas de possibles. Ces figures, et encore, j'ai fait que des carreaux en entier. D'accord? J'aurais très bien pu faire des choses comme ça aussi. Hein. Regardez ici. Ici, je faisais 1, et après, je faisais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et puis 12, par exemple. J'avais donc des figures comme ça, comme ça. Voilà, donc vous voyez, donc, des tas de possibilités. Et encore, d'autres possibilités encore. Alors, très bien. Une fois que j'ai ça, deuxième question, ces figures ont-elles le même périmètre? Ah, voilà une question intéressante, parce qu'elles ont la même aire. Eh bien, elles n'ont pas du tout le même périmètre. Regardez, si je prends le côté du carré comme unité de longueur, hein, ça fait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 comme périmètre. Si je fais la violette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là, j'ai 18 comme périmètre. 18, dans 18 unités de longueur, je vais appeler ça UL, d'accord? Là, j'avais 14, 14 UL, unités de longueur. Et pour la verte, j'avais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 unités de longueur. On voit donc bien que là, il n'y a pas du tout le même périmètre. Alors, donc attention à cette chose-là. Lorsqu'on a une figure, fait deux figures qui ont la même aire, elles n'ont pas forcément le même périmètre. Ce sont vraiment deux notions différentes, aire et périmètre. Donc il ne faut pas les confondre déjà. Et surtout, si, ils ne vont pas ensemble. Voilà. Deux périmètres identiques, ça ne veut pas dire la même aire. Et deux aires identiques, ça ne veut pas dire le même périmètre. Voilà. Donc sur cette mise au point faite, nous passons aux conversions. Et oui, car évidemment, les conversions, puisqu'on a des longueurs, puisqu'on a des longueurs, des unités, je veux dire, il va bien falloir passer d'une unité à une autre. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, regarde, nous, pour l'instant, on s'est intéressé au centimètre carré. C'est quoi un centimètre carré? On a dit, c'est donc un carré qui fait un centimètre. Mais ce carré qui fait un centimètre, d'accord, je vais faire en plus grand ici, je peux le découper avec des petits bouts qui vont faire 1 millimètre à chaque fois. 1 millimètre. J'en aurai combien des petits bouts qui font 1 millimètre? J'en aurai 10. J'en aurai 10 des millimètres, évidemment. Mais je peux également faire la même chose ici, faire des petits bouts qui vont faire 1 millimètre. D'accord? Et j'en aurai 10 aussi. 10 millimètres. Des petits carreaux comme ça. J'en aurai combien des petits carreaux comme ça? Ben, j'en aurai 10 fois 10, ça fait 100. Dans des petits carreaux comme ça, j'en aurai 100. Mais c'est quoi ce petit carreau, justement? Ce petit carreau, c'est un carré qui a pour côté 1 millimètre. Donc, quelle est l'aire d'un carreau qui a comme côté 1 millimètre? Ben, ça s'appelle 1 millimètre carré. Ça veut donc dire que dans 1 centimètre carré, j'ai pu en mettre combien des millimètres carrés? J'ai pu en mettre, j'en ai pu mettre un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. J'ai pu en mettre 100, 10 fois 10. Donc ça me prouve quoi? Ça me prouve que 1 centimètre carré, c'est égal à 100 millimètres carrés.
Et ça, c'est très important parce que rappelez-vous, 1 cm, ça fait 10 mm. Là, 1 cm carré, ça fait 100 mm carré. Et ça va énormément modifier notre tableau. Notre tableau. Regardez un tableau qu'on va avoir, le même tableau que pour les mètres, décimètres et compagnie. On a donc les mètres carrés, les décimètres carrés, les centimètres carrés, les millimètres carrés, les décamètres carrés, les hectomètres carrés et les kilomètres carrés. Mais le passage d'une colonne à l'autre ne va pas se faire en multipliant ou en divisant par 10. Il va se faire en multipliant ou en divisant par 100. Voilà pourquoi le tableau de conversion, il va falloir le compléter en rajoutant ici, dans chaque colonne, une deuxième colonne. C'est cette deuxième colonne qui va faire qu'on va multiplier par 100 et non pas par 10 en passant d'une unité à l'autre. Regardez comment ça marche. En bas à droite, donc je vais l'agrandir un peu. Ah, je peux pas. Il ne veut pas me l'agrandir, il change tout sinon. Est-ce que je peux prendre que ça? Est-ce qu'il m'accepte que je prenne que ça? Non, il ne veut pas. Donc on ne l'agrandira pas. Donc il faudra donc soit agrandir la vidéo, soit bien écouter ce qu'il y a marqué. Ce que je vous dis. Convertir 28 mètres carrés en centimètres carrés. Convertir 28 mètres carrés en centimètres carrés. On se pose les mêmes questions que précédemment. C'est-à-dire, quelle est l'unité? Mètre carré. Quel est le chiffre des unités? 8. Je place donc le 8 dans la colonne des mètres carrés. Oui, mais là, j'ai deux colonnes des mètres carrés. Celle-ci et celle-là. C'est laquelle la bonne? Ben, la bonne, c'est celle-ci. La colonne des mètres carrés, c'est celle qui est à droite. Celle d'à côté, ce n'est pas une colonne des mètres carrés. Elle est là juste à cause du 100. La colonne des mètres carrés, c'est celle que j'ai fléchie en rouge ici. Donc, c'est ici que je vais placer le 8. Après, j'écris les autres chiffres. Ben, j'ai que 8. J'ai que 2. Donc j'écris, là j'ai marqué 28 mètres carrés. Je veux convertir ça en centimètres carrés. Donc quelle est la nouvelle unité? La nouvelle unité, c'est centimètres carrés. Je veux donc que le nouveau chiffre des unités soit dans la colonne centimètres carrés. Elle est où cette colonne centimètres carrés? Elle est là. D'accord? Pas celle-là, attention, non, pas celle-là. Je grabouille tellement, je ne veux pas que ce soit là. D'accord? Je grabouille et j'efface. D'accord? La colonne des centimètres carrés, c'est celle que j'ai fléchie en rouge ici. Donc ça veut dire que c'est ici que je veux placer le nouveau chiffre des unités. Bon, comme il n'y a rien, évidemment, je vais mettre un 0. Et il va falloir compléter toutes les cases avec des 0. Et donc ça va me faire quoi? Ça va me faire que 28 mètres carrés, ça va faire 28 suivi de 4 zéros en centimètres carrés, c'est-à-dire 280 000 centimètres carrés. D'accord? Logique. On avait 28. On a multiplié par 100 pour obtenir les décimètres carrés et on a encore multiplié par 100 pour obtenir les centimètres carrés. Et donc, on a multiplié par 100 et encore par 100, on a rajouté 4 zéros. D'accord? Allez, on en fait encore un ensemble. Convertir 4,32 décimètres carrés en mètres carrés. Alors, quelle est l'unité? Ah, du coup, j'ai tout effacé là. Quelle est l'unité? Décimètres carrés. Quel est le chiffre des unités? 4. Donc le 4 se place dans la colonne des décimètres carrés, c'est-à-dire ici. Puis j'écris les autres chiffres. C'est le 3 et le 2. D'accord? La virgule, je ne la marque pas. Vous le savez, dans le tableau, on ne marque pas la virgule, c'est mieux. Je veux convertir ça en mètres carrés. Je veux donc que la nouvelle unité soit le mètre carré. Je veux donc que le nouveau chiffre des unités soit dans la colonne mètre carré, c'est-à-dire ici. Il n'y a rien. Donc qu'est-ce que je mets ici? Un 0 et je complète. Et puisque je veux que ce soit ce 0 qui soit chiffre des unités, il va être suivi d'une virgule. Ce qui veut dire que 4,32 décimètres carrés, ça va être égal à 0,04 132
mètres carrés. D'accord? Voilà. Si vous ne l'avez pas encore fait, dessinez évidemment ce tableau et faites les quatre conversions qu'on vous demande à la suite, qui sont, du coup, je vais quand même vous les agrandir. Regarde, je fais ici, hop, copier et un petit coller ici. Non, ici plutôt. Un petit coller ici. Comme ça, là, je peux agrandir en faisant un autre. Voilà, comme ça, tout le monde le voit bien. Et après, on l'enlèvera au moment de la correction. Allez-y, dans votre tableau, faites ces quatre conversions. Et on revient après, mettez en pause en attendant. Voilà, donc vous avez mis en pause, vous avez fait vos conversions. On passe donc à la correction. Donc j'enlève ça maintenant, il est toujours marqué en petit. Vous pouvez toujours le retrouver en faisant une petite marche arrière dans la vidéo. Alors, 1 cm carré en millimètres carrés. Ça, c'est facile, c'est ce qu'on avait fait auparavant. On va quand même le faire grâce au tableau. 1 cm carré, quelle est l'unité? Centimètre carré, quel est le chiffre des unités? 1. Je place donc 1 ici. Je veux convertir en millimètres carrés. Donc, je veux que le nouveau chiffre des unités soit dans la colonne millimètres carrés, c'est-à-dire ici. Il n'y a rien. Je mets donc un 0. Je complète. Ça me fait donc 100. 1 cm carré égale 100 millimètres carrés. 3,3 décimètres carrés en millimètres carrés. Alors, 3,3 décimètres carrés. Quelle est l'unité? Décimètres carrés. Quel est le chiffre des unités? 3. Mais attention, le premier, celui qui est avant la virgule. Hein. Donc, je place ce 3 dans la colonne des décimètres carrés, c'est-à-dire ici. Et j'écris après le deuxième qui est là. Je veux mettre ça en millimètres carrés. Je veux donc que le nouveau chiffre des unités soit dans la colonne millimètres carrés, c'est-à-dire ici. Comme il n'y a rien, je mets un 0 et je complète. Ça me fait donc 33 000. Donc 3,3 décimètres carrés, ça me fait 33 000 millimètres carrés. Euh, 301,5 hectomètres. Alors là, attention, vous avez vu? On n'est plus en carré. On n'est plus en train de faire des calculs d'air ici. Donc le tableau qu'on a utilisé ici, c'est plus le même. C'est celui de la dernière fois. Alors on va peut-être pas rechercher le tableau. On sait que l'hectomètre, comment est-ce qu'on passe d'hectomètre à mètre? Ben, on passe d'hectomètre à décamètre en multipliant par 10 et encore de décamètre à mètre en multipliant par 10. Donc on passe de hectomètre à mètre en multipliant par 100. Logique, hecto, ça veut dire 100. D'accord? Donc on va donc tout simplement multiplier ceci par 100, ce qui va faire... Je décale la virgule de deux rangs en complétant avec un 0. Ici, mètres. 30 150 mètres. Attention à ça. Quand il y a le carré, il y a le carré. Quand il n'y a pas le carré, il n'y a pas le carré. Faut pas se mélanger. Et on fait le dernier. 2,1 décimètres carrés. Là, on revient sur les airs. Donc, quelle est l'unité? C'est le décimètre carré. Quel est le chiffre des unités? Ben, c'est le 2. Donc, je place le 2 dans les décimètres carrés. J'écris les autres chiffres. Il n'y en a qu'un à rajouter. C'est le 1, justement. Je mets ça en mètres carrés, je veux donc que le nouveau chiffre des unités soit dans la colonne mètres carrés, c'est-à-dire ici. Et comme il n'y a rien, je mets un 0 et je complète. Si je veux que ce 0-là soit chiffre des unités, il aura besoin après lui d'une virgule. Donc ça veut dire que 2,1 décimètres carrés, ça va faire 0,021 mètres carrés. D'accord? Voilà, donc j'espère que avec le tableau et tout, vous avez réussi à faire avoir... comment ça marche? Allez, on continue. Enfin, vous, du moins, vous allez continuer tout seul, à la maison, tranquille, avec l'exercice 39 à faire pour la prochaine fois. En attendant, les enfants, bonne journée à tous. Ah, vous avez vu ici? Vous avez une unité étrange, c'est le A et le HA. Ça s'appelle l'art et l'hectare. Je vous laisse aller chercher sur Internet ce que sont art et hectare pour être capable d'y arriver. Allez, les enfants, on voit d'ailleurs, ensuite, on ne voit que là. Voilà les enfants, cherchez bien, travaillez bien et à la prochaine fois.